Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a un décompte assez impressionnant, ça m'a mis un peu la pression, mon cœur battait très vite. on va parler un peu de podcast de DED dont vous pouvez disposer à la SACD. D'abord, je voudrais savoir qui parmi vous écrit ou a déjà diffusé des podcasts à main levée. Okay. Qui a le projet de le faire? Ok, donc personne n'est là parce que la cantine n'est pas encore ouverte, ça me fait plaisir. Je me présente, pardon, je m'appelle Roswell Agogero, je suis responsable de la création numérique à la SACD. En gros, je gère, pas tout seul bien sûr, mais les droits qui sont sur les podcasts, sur YouTube, sur Netflix, sur Amazon, sur Disney+. Et aussi une partie des aides en coordination avec l'action culturelle, les choses dont on va parler aujourd'hui, pour les auteurs émergents ou non. D'ailleurs, la première chose que je n'ai pas mis dans ma présentation, mais que je viens de me rappeler, si jamais vous avez un podcast déjà écrit, que vous allez le partager à des futurs producteurs ou des diffuseurs, vous pouvez faire un dépôt, un e-dépôt. Enfin, chez nous, ça s'appelle e-dépôt, E-D-E-P-O. C'est juste pour avoir la certitude qu'à cette date-là, vous avez écrit ce projet-là. Donc ça coûte 15 € pour 5 ans, si mes souvenirs sont bons. Et c'est juste... Des fois, vous pouvez mettre le numéro du dépôt sur votre projet. Ça peut refroidir les producteurs les plus vicieux. Il y en a très peu, hein, mais ça existe quand même. Voilà, donc on va avoir maintenant que 43 minutes. On va parler des aides juridiques, des aides financières et des autres aides qu'il y a. Et des fois, je ferai des pauses au cas où vous avez des questions. Et puis, on refera un moment de questions à la fin. Donc, je vous ai parlé du e-dépôt et on va enchaîner tout de suite, si la télécommande fonctionne, avec une bourse d'écriture. Donc, c'est la bourse de l'association Beaumarchais. Donc, c'est une association de la SACD qui a des bourses d'écriture dans toutes les disciplines de la SACD. Donc, ça touche le théâtre, le cirque, le cinéma. Et avant, elle s'appelait Fiction Radio et elle a changé de nom il y a 3 ans pour s'appeler Fiction Sonore pour englober le podcast. Donc, en général, parce qu'on n'a pas encore les dates, l'appel à projet a lieu autour d'octobre, de début octobre à début novembre. Ça peut glisser légèrement en fonction des années. Donc, c'est littéralement une bourse à l'écriture, c'est-à-dire que vous postulez, et si vous êtes lauréat, on vous verse de l'argent sur votre compte en banque, juste pour que vous ayez le temps d'écrire. Après, comme l'a dit Guillaume Toulon juste avant, des fois les projets sont déjà écrits, des fois il y a... En fait, vous faites ce que vous voulez avec l'argent, moi je ne regarderai pas. Mais c'est avant tout une bourse à l'écriture. Après, si vous voulez produire avec aussi, libre à vous. Donc les sommes vont entre 2000 et 5000 euros. C'est une fois par an à la SACD. Donc je vous invite à checker aux alentours de début octobre le site de l'association Beaumarchais. Et cette aide, elle s'appelle Fiction Sonore. Est-ce que déjà vous avez des questions? Non, c'est un peu trop tôt, on ne se connaît pas assez, hein. Ce que je voulais dire aussi sur cette aide-là, c'est que généralement, le jury est composé d'auteurs, de producteurs aussi. Pourquoi? Pour avoir en fait des regards différents et pour être le plus objectif possible. Après, c'est toujours des sensibilités dans les jurys. On est sûr que s'il y a deux personnes différentes dans le jury, les résultats changent. Mais le but, c'est d'avoir des regards différents. Donc, il peut y avoir des auteurs, des producteurs. Producteur, éditeur, bien sûr. Et c'est comme ça que les lauréats sont sélectionnés. Vous pourrez aller voir sur le site, même si l'appel à projet n'est pas encore lancé, vous avez déjà je ne l'ai pas mis là dans mon imprimé écran, mais il y a des conseils pour les dossiers, bien sûr. Mais il y a aussi toutes les pièces qu'il faudra fournir. Comme ça, vous avez l'été pour préparer ça tranquillement. Et dès que l'annonce est faite, vous pouvez directement postuler. Mes collègues vont un peu me tuer parce que ça va faire un peu beaucoup plus de demande, mais on est là pour ça, c'est vrai. Une autre aide qui existe à la SACD, c'est le fonds podcast originaux avec France Culture. Alors ça, elle n'est pas tous les ans. Logiquement, il devra en avoir une fin d'année 2022, début d'année 2023, pardon. Et ça, c'est un appel à projet pour des séries de fiction.
Et littéralement, là, il y a aussi des gens de France Culture dans le jury, bien entendu. Et pour la dernière session, c'était 7 000 euros d'aide à l'écriture. Et après, vous êtes aussi également un peu drivé par les gens de France Culture parce qu'ils savent un peu ce qu'ils veulent faire. Alors, les sujets sont libres. Il faut juste que ce soit des séries de fiction. Je crois qu'il y a un critère de durée pour les épisodes. Je pense qu'il faut faire minimum 6 minutes, mais ça peut également évoluer. Et c'est littéralement une aide pour des projets qui sont amenés à être diffusés en podcast natif sur le site de Radio France. Donc, il y en a peut-être certains que vous connaissez qui ont été lauréats de ce fonds, si j'ai bien fait les choses, voilà. Donc, pêle-mêle, le projet Orlof, l'appel des abysses, Astadente. Tout ça, enfin, certains faisaient partie des premiers lauréats. Il y a eu une seconde session. Alors, je sais, bon, je sais que c'est filmé, mais on est quand même là pour parler honnêtement. Il y en a des fois, il y a des projets qui ne voient pas le jour, mais l'argent est versé, quoi qu'il arrive. La bourse de l'écriture est menée à bien. Des fois, il y a des auteurs. C'est arrivé à la première session. Il y avait par exemple des auteurs de théâtre qui avaient du mal à modifier un peu leur type d'écriture pour le podcast. Et il y en a finalement qui n'ont pas été diffusés. Mais la bourse à l'écriture a quand même été distribuée et les auteurs ont écrit leur projet. Donc, c'est des projets qui sont toujours en ligne d'ailleurs et que vous pouvez écouter. Je les ai tous écoutés parce que ça fait partie du boulot aussi. Et vous verrez que, en plus de la bourse à l'écriture, dans ce cadre-là, France Culture, qui est du coup producteur, prend en charge toute la production. Donc après, en fait, les projets sont réalisés avec un réalisateur de Radio France, également dans les studios. Donc il y en avait, par exemple, l'appel des abysses, si je me souviens bien, dont le son était binaural. En fait, ça se passe, j'allais dire 20 000 sous les mers, mais pas du tout. Mais ça se passe sous l'eau, en tout cas. Et donc la spatialisation du temps, du son, pardon, c'est quelque chose qui a été pris directement. Enfin, les coûts sont amortis par Radio France. Donc c'est des projets qui sont très accompagnés. Bien sûr, il y a beaucoup de demandes, mais un peu comme tous les appels à projets. Mais je vous invite à regarder le site de la SACD plutôt en fin d'année et peut-être début d'année 2023. Et de toute façon, il y aura un communiqué de presse. Et ce sont des bons projets. Et, moi, j'ai particulièrement aimé le projet Orlov parce que j'aime bien tout ce qui est sur l'espionnage et tout, genre Bureau des légendes et tout ça. Et c'était assez cool. Est-ce que vous avez des questions sur cet appel à projet? Non, vous êtes chaud, mais pas autant que ça. Ah, si, madame, pardon. Oui, là, c'était des séries. Après, il est possible que dans le temps, que pour 2023, ce soit des unitaires ou que ce soit autre chose. Mais en tout cas, les deux sessions qu'il y a eu pour cet appel à projet, les deux étaient des séries. Est-ce qu'il faut, comme c'est enregistré, il faut que les gens parlent dans le micro pour les questions, c'est ça? Donc là, on va faire comme si on n'avait pas fait exprès. Et pour les autres, on va faire attention. Est-ce que vous avez d'autres questions, pardon? Non? Tout va bien. OK. Alors ça, Sounds of New York, c'était la première édition cette année. Sounds of New York, c'est à l'initiative de l'ambassade française. Et donc, c'est une sorte, un voyage. Donc là, vous voyez, il a eu lieu du 9 au 13 mai 2022. Donc, ils sont revenus il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est un voyage à New York pour des auteurs de podcasts qui vont aller à la rencontre de diffuseurs, d'auteurs, de producteurs américains pour voir comment ils font les choses et un petit peu apprendre d'eux. Donc, on est, bien sûr, la SACD est un des partenaires de cette initiative, mais il y a aussi l'INA, Radio France, Spotify également. Et le but, un peu, c'est d'être en immersion à New York pendant une semaine. Donc là, vous voyez sur la photo, ils sont beaucoup, mais normalement, là, vous allez avoir à votre gauche les auteurs. J'avais noté leur nom, mais j'ai oublié ma feuille au bureau. Mais alors, il y a par exemple Emmanuel Suarez, qui est assis sur le coin du fauteuil, qui est un des auteurs lauréats du fonds podcast avec France Culture. Il y a aussi Aladine Zayan, il y a aussi Iris Ouédraogo.
Et donc, ils ont des projets tous différents. Il y avait des projets de fiction, il y avait des projets de documentaire. Et ils ont été sélectionnés via un appel à projet. Et ils ont été accompagnés par les gens de l'ambassade, par quelques personnes des partenaires. Donc, il y avait quelqu'un de l'INA, quelqu'un de Radio France. Personne de la SACD, à mon grand désarroi. Mais je vais tenter ma chance l'année prochaine. Et c'est vraiment une semaine de rencontres où ils peuvent échanger librement. Donc, il y a... Vous voyez que là, ils ont été voir le New York Times, mais il y a aussi des rendez-vous avec NPR, il y a des rendez-vous avec Gimlet, il y a eu des rendez-vous avec Spotify, avec Paradiso, parce qu'ils ont aussi une antenne aux États-Unis. Et il y a en fait un double effet. Déjà, l'échange entre les auteurs qui est important, parce que c'est des auteurs qui ne se connaissent pas forcément, qui sont dans des champs de podcasts natifs un peu différents, et... C'est un peu bête, mais quand on est à l'étranger isolé qu'à 7, eh ben, on échange plus facilement que quand on est à Paris, déjà parce qu'on se rend compte un peu moins. Et l'autre effet, c'est bien sûr de savoir comment font les Américains, parce qu'ils ont une culture radio très forte, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de radios locales, parce que le pays est très grand, ils ont différents fuseaux horaires. Et donc, quand ils sont passés au podcast... Naturellement, en fait, il y a eu beaucoup d'écoutes parce qu'il y a des gens qui déménagent, il y a des gens qui veulent savoir ce qui se passe à New York et ils n'ont pas les mêmes radios à New York et à Los Angeles, par exemple. Donc le podcast, de fait, il était important dans la constitution des radios. Quand le podcast est arrivé, il y a eu, c'est pas un boom parce que les radios étaient déjà très fortes, mais du coup, ils ont aussi une sorte de savoir-faire particulier, parce que ça a explosé un petit peu avant. Alors, ils ne sont pas forcément meilleurs que nous, mais un peu plus avancés. Voilà. C'est comme ça que je le traduirais, moi. Donc, ils sont revenus il n'y a pas longtemps, et hier, on a eu une sorte de tour de table de savoir comment ça s'était passé, et moi, j'ai hésité à en parler aujourd'hui. En fait, ça s'est hyper bien passé. Il y a même les partenaires, donc les gens de l'INA, les gens de Radio France, qui ont dit... qu'en une semaine, ils ont appris beaucoup plus qu'en 2 ans de tables rondes et de réunions internes. Donc c'était quelque chose de très bien. Là, pour tout vous dire, on réfléchit à un moyen de l'année prochaine de peut-être faire une des rencontres en visio qui sera accessible à la Maison des auteurs, à la SACD, et peut-être voir en ligne. Ce sera une des rencontres seulement, mais ça permettra aux gens qui ne sont pas du voyage de profiter aussi de ces connaissances. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Non ? Alors, l'année dernière, l'appel à projet, il s'est fait pendant le Paris Podcast Festival. C'était aux alentours du 14 octobre. Et normalement, cette année, ça devrait être toujours aux environs du Podcast Festival, qui est, je crois, du 19 au 22 octobre, de tête, hein, à peu près. Et en regardant mes mails tout à l'heure, pendant que le décompte faisait battre mon cœur. J'ai vu que l'appel à projet pour le Paris Podcast Festival est ouvert depuis là. J'ai eu le mail à 11h58. Donc, si vous avez déjà des podcasts diffusés, vous avez jusqu'au 11 juillet pour participer et rentrer dans une des compétitions, que ce soit série documentaire, fiction. J'ai oublié le nom des autres. Il y a émission aussi, je pense. Donc, ça vient d'ouvrir. Donc, pour ceux qui ont des podcasts qui sont déjà diffusés, je crois qu'il faut qu'ils soient diffusés entre juillet 2021 et juillet 2022 pour participer. Mais je vois plein de gens qui ont déjà leurs ordinateurs, donc soit ils sont en train de vérifier, soit ils ont déjà eu l'info. Mais comme je l'ai reçu tout à l'heure, je me disais que c'était intéressant de partager cela avec vous. Donc pour revenir sur Sounds of New York, l'appel à projet devrait ouvrir normalement pendant le Paris Podcast Festival. Et il y a à peu près 5 semaines pour participer. Les résultats sont donnés un peu avant les vacances de Noël. Et le voyage est autour du printemps, entre avril et mai. Voilà pour celui-ci. Oui, une question. Attendez, on va demander le micro. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui nous regardent, qui sont chez eux. Bonjour, les gens. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Alors moi je suis journaliste et autrice et j'avais candidaté pour cet appel à projet. Donc vous n'êtes pas contente? Non. non, pas du tout. Mais justement, en fait, ce matin on a eu un retour par exemple des bourses du ministère de la Culture. Et c'était hyper concret. J'ai trouvé ça hyper intéressant ce qu'ils nous ont raconté sur
comment finalement leur choix se fait. Parce qu'il y a des choses, des critères en fait, qui sont très subjectifs, mais qui sont objectivables. Et je me demandais si vous saviez quels étaient en fait les points communs, les choses qui ont vraiment fait que ces projets ont été pris. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces projets-là qui en ont fait d'être sélectionnés? Alors là, comme c'était une première session, c'était vraiment tout nouveau pour tout le monde, également pour les partenaires. Et du coup, donc les gens présentent des projets, mais c'est surtout aussi le parcours des auteurs. Parce que comme c'était la première fois, et comme tout ça dépend aussi pour nous, d'une part de l'action culturelle, donc de la copie privée, et pour les autres partenaires aussi de leur budget, on ne sait jamais une année sur l'autre si ça va être fait. Donc pour la première année, ils ont vu des gens qui ont fait, ils ont quasiment tous fait plusieurs podcasts différents. Et c'est ça qui a été important, je pense. Et par contre, au fur et à mesure qu'il y aura des sessions, je pense que les critères vont un peu s'élargir. Le but, c'était d'avoir des gens d'univers différents, donc des gens qui font du documentaire, des gens qui font de la fiction, des gens qui sont sur des supports différents, sur des temporalités différentes sur leur podcast. Et là, c'était aussi le profil des auteurs qui jouaient. Bien sûr, il faut parler anglais, pour celui-là en tout cas. Ce qui était assez important. Et après, il y a une part de... Alors, le jury était composé de quelqu'un de Paradiso, quelqu'un de l'INA, quelqu'un de la SACD. Donc, ça dépend aussi du jury qu'il y a. Mais là, c'est beaucoup sur le profil des auteurs et des autrices qu'il y avait. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, ça va aussi être sur l'originalité. En fait, le regard, le point de vue qu'ils ont, donc sur un... même si les sujets peuvent être similaires, mais sur le point de vue, sur l'originalité, peut-être une notion d'un podcast qui peut parler aussi internationalement. Parce que même si, là, il n'y avait pas d'enjeu, hein, je le répète, il n'y avait pas d'enjeu. Alors, ils ont pitché un moment, mais c'est plutôt pour un exercice. Mais c'est vrai que pour les gens qui partiront, c'est bien aussi de, quand ils rencontrent, par exemple, des gens du New York Times, qui puissent après échanger sur quelque chose de concret sur les semaines ou les mois qui vont suivre. Donc il y a aussi cette chose-là. Et alors, je vous dis ça de tête, hein, mais normalement, pour Sounds of New York, comme il y avait plusieurs partenaires, c'était assez détaillé. On va dire les critères étaient assez détaillés. Et après, c'est vraiment sur le profil que ça s'est fait, cette année-là en tout cas. J'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, pour la suite, donc je parlais du Paris Podcast Festival, parce que donc là, on a vu pas mal de bourses à l'écriture et un projet de, j'allais dire presque d'Erasmus ou d'échange à New York. Il y a aussi une aide juridique, et je vais montrer ça parce qu'en fait, c'est ma collègue Valérie Charlet, qui est juriste captation, qui aide les auteurs et les autrices de podcasts pour leurs contrats avec les éditeurs et les producteurs. Et dans le cadre de cette masterclass qui a eu lieu au Paris Podcast Festival de l'année dernière, elle a donné un peu des tips, mais je n'ai pas trop le droit de parler en anglais normalement quand à la SACD. Des astuces, voilà, c'est des astuces. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder la masterclass en entier, mais si vous avez besoin de certains points juste là pour votre connaissance, elle est en ligne sur le Facebook du Paris Podcast Festival, peut-être voire même sur YouTube. Donc si vous pouvez écouter, et je pense même qu'elle est en podcast, ça me paraît logique, mais vous pouvez l'écouter, et si jamais vous avez des questions ou si vous avez des contrats en ce moment, comme l'ASCAM fait le même service également, vous pouvez contacter ma collègue Valérie Charlet. Alors c'est vrai que c'est un peu... nouveau, moi je ne suis pas du tout juriste, mais je vous donne le point de vue que j'ai eu en arrivant, c'est que comme les auteurs et les autrices de podcasts viennent de plein d'univers différents, ça peut être des journalistes, ça peut être des auteurs, autrices de l'audiovisuel, ça peut être des écrivains, et du coup les types de contrats sont différents, les types de contrats qu'ils avaient l'habitude d'avoir étaient différents. Je sais que dans l'édition, on cède beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui n'est pas forcément le cas dans l'audiovisuel ou dans la fiction sonore. Donc, il y a quelques personnes qui se sont fait avoir au début, mais cela ne doit plus durer. Donc, si vous avez des questions, que ce soit à l'ASCAM ou à la SACD, je vous invite
Déjà, regardez cette masterclass, vous aurez quelques astuces. Et ensuite, si vous avez un contrat concrètement, je vous conseille de ne pas vous presser à le signer. Si vous avez des doutes, si vous savez ce que vous faites, pas de souci. Sachant que pour des gens comme moi qui ne sont pas juristes, j'ai appris que tout se négocie dans un contrat. Donc s'il y a une clause particulière que vous avez envie de mettre, en fait, ça se tente. Après, peut-être que l'autre ne voudra pas. Normalement, ça doit être ouvert à la discussion. Mais ça se tente. Si vous dites, je ne veux pas que le podcast soit diffusé dans tel pays parce que moi, j'ai des contacts dans tel pays et ça pourrait me permettre, je veux faire un autre contrat. C'est possible. Alors, ça ne va pas tout le temps se faire, mais c'est possible. Donc, c'est vrai que c'est dur des fois en tant qu'auteur ou autrice quand on est déjà content d'avoir un éditeur ou un producteur qui va financer le podcast. Donc, on a tendance à se dire, il faut que j'accepte le contrat parce qu'ils vont vous dire, c'est le contrat qu'on donne à tout le monde. Mais vous n'êtes pas tout le monde. Et toutes les personnes sont différentes et tous les projets sont différents. Ça fait un peu révolutionnaire ce que je dis là, comme ça, mais c'est la vérité. Donc, n'hésitez pas vraiment s'il y a une clause qui vous pose problème ou que vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a quand même des fois, il y a des points techniques qui, même moi, en ayant vu plusieurs, et en n'étant pas juriste, je me pose des questions quand je regarde les contrats au loin. Donc n'hésitez pas à contacter Valérie Charlet. Vous pouvez me contacter moi aussi si vous voulez, mais je pourrais juste vous aider sur des choses principales, même des choses générales. Mais si vous avez un contrat avec des clauses techniques, techniquement qui sont compliquées, n'hésitez pas à contacter Valérie Charlet. Voilà pour cette phase-là. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui? Non? Tout est clair? Vous avez faim, c'est ça? Il faut que j'aille vite. On va continuer. Je ne sais pas comment vous avez fait avec ce décompte-là. C'est marrant. En vrai, c'est marrant. Alors ça, c'est une autre aide qui n'est pas financière, certes, mais qui peut aider plein d'auteurs et d'autrices quand ils sont... dans une phase de recherche, de maquettage ou même de production. Donc, à la SACD, il y a une maison des auteurs qui est accessible à tous les membres de la SACD, quelle que soit leur discipline. Et là, la photo est bien choisie parce qu'il y a des micros. Et donc, dans cette maison des auteurs, déjà, il y a des bureaux, si vous voulez écrire en paix, pas être dérangé par votre chat, votre compagnon ou vos enfants. Qui sont accessibles gratuitement. Il y a une salle de projection où, qui peut aussi, parce que c'est arrivé avant, on le faisait tous les ans, avant le confinement, qui peut faire des sessions d'écoute où on met une lumière tamisée. Et si vous voulez en fait faire écouter vos podcasts à des diffuseurs, ou même si vous voulez inviter de la presse ou des choses comme ça. Donc la salle que vous voyez, elle a 72 places et elle coûte 90€ avec le technicien compris pour 3 heures, pour tous les membres de la SACD. Donc il y a des gens qui font aussi des sessions d'écoute juste en équipe, des fois, ou pour le kiff, quoi, tout simplement. Mais vous pouvez aussi en fait, la louer en soirée et inviter de la presse, des producteurs, des diffuseurs pour montrer ce que vous avez fait. Et l'autre photo, c'est une des photos du studio. En fait, il y a deux studios. Celui-là, c'est le plus petit, il fait 17 mètres carrés de tête. Et les studios sont accessibles gratuitement à tous les auteurs membres, sachant que pour être membre de la SACD, il suffit d'une œuvre diffusée, même si elle est en autoproduction. Ça, c'est important parce qu'il y a plein de personnes, et je pense que c'est la même chose à la SCAM, mais ce n'est pas parce que vous êtes autoproduit que vous n'êtes pas auteur. Et si c'est diffusé, par exemple sur YouTube, ou ailleurs, on parlait de SoundCloud où la SACD n'a pas non plus de droits, mais vous pouvez quand même déclarer l'œuvre et devenir membre, même si vous n'allez pas toucher de droits. Et il suffit d'avoir une œuvre diffusée pour adhérer et avoir accès aux studios. Et donc les studios sont aussi équipés en matériel. Donc il faut les réserver à l'avance, ils sont gratuits, mais il y a des matériels, il y a des zooms alors de tête, ça aussi je l'avais noté sur ma fiche. Mais il y a le Zoom H4. Il y a aussi la, je sais plus comment elle s'appelle, la Live Track, je crois que c'est L8, où vous pouvez en fait tout enregistrer en direct. C'est une 8 pistes. Il y a aussi d'autres types de micros, comme vous voyez sur l'écran. Et ça permet, des fois, de faire des maquettes. Il y a des gens qui font littéralement leur podcast dans le studio également. Et sinon, ça permet juste, des fois, de s'entraîner, de perfectionner les choses. Si vous avez besoin. Et aussi, des fois, ça permet de faire
comment dire? Ça permet pour certains, alors les studios sont limités à 10 personnes, mais ça permet quand vous voulez inviter des gens, par exemple, et que vous ne voulez pas les inviter chez vous directement, si vous enregistrez chez vous, ça permet d'avoir un endroit un peu neutre, enfin, en tout cas où il n'y a pas vos chaussettes qui traînent, et vous pouvez les inviter et faire votre podcast tranquillement. Donc généralement, les studios, ben, ils sont assez pris, mais il y a toujours de la place. Vaut mieux les réserver à l'avance. Je crois que c'est le calendrier ouvert 2 mois avant. Et vous avez entre de 10h à 22h, du lundi au vendredi. C'est des sessions de 4 heures, généralement. Et vous avez un jour et demi possible par mois, par auteur. Parce que sinon, on est obligé de limiter pour que tout le monde puisse en profiter. Et voilà pour le côté du studio. Donc le studio se trouve à la SACD, qui est rue Balue, dans le 9e arrondissement de Paris. Et là, je voulais avoir un petit témoignage d'une autrice qui utilise le studio. Je ne sais pas si on peut lancer la vidéo à la régie. Bonjour, moi c'est Rosa Borstein, voilà, je suis comédienne, autrice, humoriste, et la SACD continue de soutenir mon travail en m'accueillant au studio. C'est très pratique parce que c'est en plein centre de Paris, c'est une belle adresse à donner aux invités. Et puis surtout chez moi, il y a des interférences et il y a mon chat. Puis ça permet, le podcast étant pas encore vraiment viable financièrement, bah, de ne pas dépenser d'argent du tout, quoi, en étant accueilli ici gratuitement en tant qu'auteur. Donc voilà, c'est une grande aide et ça me permet de pouvoir bah, continuer cette activité qui m'apporte énormément. Venez au studio, vous serez bien accueillis, mais ne venez pas trop nombreux, sinon moi je ne pourrai plus y venir. Voilà, donc voilà le petit témoignage de Rosa qui, elle, enregistre son podcast à la SACD. Alors, de tête, son podcast, je crois qu'il s'appelle Les mecs que je veux ken. Donc, elle fait du stand-up, elle est humoriste et elle invite. Ah, waouh! C'est vrai que, en fait, elle a tout à fait le droit de l'appeler comme ça. Le podcast est très intéressant d'ailleurs. Et elle, littéralement, comme elle vous l'a expliqué, elle préfère avoir les invités ailleurs que chez elle. Donc, je crois que son podcast est mensuel, il me semble. Et elle invite d'autres humoristes, mais pas que, sur les mecs que les gens veulent ken, tout simplement. Et aussi, petite nouveauté pour la rentrée. Donc là, en fait, c'est un studio polyvalent. Donc il y a des gens qui font également, je sais pas, ils font les making-of de leurs films. Il y a des gens qui font des castings pour leurs courts-métrages et tout ça, parce qu'en fait, comme il y a des caméras aussi, ça permet en une journée à un endroit central de faire ses castings. Et alors à l'automne, je ne pourrais pas vous dire la date précise parce que c'est encore en travaux, mais à l'automne, j'espère au mois d'octobre, il y aura la maison des auteurs s'agrandit et il y aura un studio dédié au podcast, littéralement, où les gens font que du podcast. C'est pour aussi avoir plus de place pour les studios polyvalents, pour que les gens puissent utiliser ces studios-là qui deviendront plus vidéo. Et podcast, il n'y a pas assez de place dans le studio, mais il y aura un studio qui sera dédié au podcast qui devra ouvrir cet automne. Et en plus de cela, lors du Paris Podcast Festival, logiquement, alors je ne sais pas si ce sera moi, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. De la SACD, on pourra aussi annoncer des nouveaux contrats que la SACD aura établis avec certains diffuseurs. Je sais que c'est difficile d'avoir des contrats avec des agrégateurs type Spotify ou Deezer, alors je ne suis pas du tout dans les négociations et je ne suis pas du tout juriste, mais selon moi, ça c'est vraiment mon avis personnel, c'est que c'est dur de négocier avec eux parce que eux ils disent que. Ils diffusent beaucoup de musique, ce qui est vrai. Donc, ils ne veulent pas donner beaucoup d'argent. Mais en même temps, la seule manière de se différencier, c'est les podcasts, et notamment les podcasts originaux. Donc, ils devraient donner plus d'argent, ce qui est vrai aussi. Donc, voilà un peu la raison des négociations qui prennent du temps. Parce que c'est vrai que si vous regardez Deezer ou Spotify, ils communiquent moins sur les albums que sur leurs nouveaux podcasts, genre Batman Autopsy, ou je me rappelle que le premier, c'en a été un sur Serge Gainsbourg, ils communiquent beaucoup dessus, parce qu'ils savent que c'est des contenus différenciants qu'ils ont juste eux, et que la musique, en fait, on peut la voir partout au même endroit. Et en plus,
Je pense que la durée d'écoute, les gens restent plus longtemps sur les podcasts que sur la musique, parce que quand les podcasts sont intéressants et qu'on a quelques épisodes de retard et qu'on est dans les transports, on a tendance à écouter plus longtemps. Mais ça, c'est vraiment mon avis strictement personnel. C'est pas l'avis de la SACD. Mais c'est pour ça que je pense que ça met du temps. Mais on va y arriver. Surtout qu'on est plusieurs à essayer de négocier avec eux. Est-ce que vous avez des questions générales? Oui. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez plusieurs types d'intervenants, aussi bien des maisons d'édition que des producteurs de disques, que naturellement ce sont deux cultures différentes de droit. Est-ce que le gouvernement ou le ministère a décidé de légiférer à ce sujet ou pas? Vous parlez au niveau des auteurs ou des éditeurs? Je parle au niveau des auteurs et des éditeurs de manière générale. Alors, non, pour l'instant, non, pas du tout. Non, 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 non. Enfin, le gouvernement, vous voulez dire pour mettre toutes les choses au même niveau? Pour mettre au même niveau, d'une part parce qu'il y a une TVA qui est différente, d'une autre part parce qu'effectivement, il y a une cession de droit qui est totalement différente, elle aussi, pour un terrain qui est de diffusion qui est le même. Alors ça, c'est aussi beaucoup dû aux habitudes de chacun, et c'est compliqué à changer. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que dans la création numérique en général, il y a beaucoup plus d'acteurs que, on va dire, dans les diffuseurs linéaires, où on peut les compter, enfin les groupes se comptent sur les doigts des mains facilement. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué pour nous, comme pour les auteurs, et des fois même pour les éditeurs aussi, des fois qui veulent bien faire et qui ne savent pas comment faire, donc qui ont tendance à rentrer dans leurs habitudes. Donc on essaye d'évangéliser. Je ne sais pas si ils vont légiférer dessus. Est-ce que juste c'est parce que c'est jeune, parce que quand le cinéma ou la télé s'est créé, il y avait aussi des choses comme ça. Mais j'espère que ça va, en tout cas ça commence au fur et à mesure à avoir des bonnes pratiques, mais il est vrai que si on remonte rien qu'il y a 2 ou 3 ans, au niveau des contrats ou au niveau des rémunérations en tout cas, c'était littéralement le bordel. Oui, c'est pour ça que vous avez beaucoup de producteurs qui sont devenus par exemple des éditeurs d'audiobooks. En quittant la sphère des contrats dits audiovisuels ou classiques que vous et moi connaissons, pour rentrer dans ceux de l'édition qui sont, pour les éditeurs, nettement plus avantageux. Oui, vous avez raison, et ça me fait penser à un point sur lequel il faut faire très attention dans les contrats, c'est que des fois, vous allez faire un contrat pour votre podcast, on va vous demander de céder les droits pour des livres, pour des séries et tout. Et ça, il faut essayer de ne pas le faire, à part si on vous donne si vous êtes payé pour ça. Parce que ce qui peut se passer, c'est que vous allez signer pour votre podcast en cédant tous les droits pour les autres supports, votre podcast marche, et l'éditeur va vendre les droits de la série pour, je dis un chiffre au hasard, 50 000 euros, sur lequel vous n'allez rien toucher parce que vous lui avez déjà cédé les droits. Donc, encore une fois, vous pouvez, tout se fait dans un contrat, donc vous pouvez quand même céder les droits si vous trouvez que l'argent est... qu'en fait, la somme est convenable, mais il ne faut pas céder les droits de fait dans vos contrats de podcast pour les livres et les films et les bandes dessinées et le reste, parce que on n'est jamais à l'abri d'un succès, tout simplement. Et c'est vrai que il y en a peu, hein, généralement les producteurs sont corrects, mais c'est vrai qu'il y en a plein qui profitent du fait que l'économie est faible et que c'est plus facile de produire un podcast qu'une série télévisée pour prendre les droits sur des sujets intéressants et ensuite avoir se constituer un catalogue. Moi, j'étais vraiment pas du tout au courant. C'est en prenant un café avec un auteur à la maison des auteurs qui m'a expliqué que ça lui était arrivé. Donc c'est des choses. C'est pour ça que je vous transmets l'information au cas où ça vous arrive. C'est comme ça que c'est, parce que le savoir se multiplie et personne ne le perd quand on le donne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. C'est une question pratique. Bonjour. Bonjour. En fait, j'ai un projet de fiction sonore
Mais ce serait une adaptation d'une pièce assez hybride que j'ai écrite, une pièce qui a été jouée en théâtre et qui est éditée, mais qui ferait l'objet d'une adaptation. Est-ce que c'est quelque chose que, si je l'adapte et que je réécris en fiction sonore, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait hyper intéressant, est-ce que ça peut, ou c'est un problème si ça a déjà été édité et... Ça dépend. Quels sont les auteurs d'origine de la pièce ? Ah, c'est moi. C'est vous ? Bah oui. Et elle a été jouée ? Oui. Oui, mais vous parlez d'édition. Elle est éditée en livre. Enfin, c'est une pièce de... Voilà. Mais du coup, enfin, si je fais une fiction... Ça, c'est technique hein, comme question. Oui, non, bon, alors je t'adirais la poser. Alors, si c'est le même texte, il faudrait quand même vous rapprocher de votre éditeur pour voir. Et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que maintenant, je parle des podcasts, mais c'est la même chose sur d'autres types d'œuvres numériques. On est à la croisée de plein de choses, parce que plein de choses sont possibles, et c'est très intéressant. Mais c'est vrai que, juridiquement, il y a toujours des cas inédits. Alors là, c'est plus simple pour vous, parce que vous êtes à la fois déjà autrice de l'œuvre préexistante. Mais si, faudrait voir quel type de contrat vous avez avec votre éditeur. Alors moi, comme ça, qui ne suis pas juriste, je me dis, comme votre pièce a existé avant le livre, normalement, votre éditeur n'a pas pris tous les droits. Mmh. Mais il faut regarder votre contrat, et le mieux, c'est de discuter avec eux. Parce que si c'est exactement le même texte, je pense qu'ils peuvent avoir leur mot à dire. Mais tout dépend du contrat que vous avez signé avec eux. Okay. Et de, alors moi je ne touche pas une bille en édition, mais c'est vrai que les contrats sont un peu plus restrictifs. Mais ma question c'était plus par rapport à la bourse Beaumarchais qu'avec l'éditeur, parce que je pense qu'avec l'éditeur il n'y a pas de problème, mais c'était plus c'est pas rédhibitoire de proposer si alors, c'est vraiment adapté pour la fiction sonore, quoi, si c'est vraiment une réécriture. Alors c'était plus dans ce sens. Alors généralement ils prennent pas les adaptations. La différence pour vous, c'est que vous êtes autrice de l'œuvre de base. C'est pour ça que je pense que c'est possible. Ouais, quand on adapte autre chose, là, c'est différent. Mais si vous adaptez une œuvre qui à vous, je pense que ça pose moins de problèmes. Et c'est une autre petite question. Est-ce que tout à l'heure, dans votre diapo, je voyais scène dialoguée, c'est... Dans certaines fictions sonores, il n'y a pas forcément des scènes dialoguées. Donc, c'est plutôt écriture, c'est des extraits de... Oui, vous avez extraits. Raison. Que, je ne sais pas quel exemple prendre, mais si, parce que j'ai un fils. Donc, Oli, par exemple, les podcasts sur Radio France, où des fois il n'y a pas de dialogue, voilà. Ça reste de la fiction quand même. Tout à fait. Donc, c'est juste que là, ce sont des termes génériques, mais bien sûr, ça peut être de la fiction sans qu'il y ait de dialogue, tout à fait. Et la dernière petite question, c'est, moi, je suis donc à la SACD, c'est uniquement si je me mets à faire du documentaire que j'aurais intérêt à aller à la SCAM, c'est ça ? Enfin, oui, sachant que vous pouvez être, vous pouvez adhérer aux deux, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais peut adhérer aux deux. Ça dépend de chaque œuvre. Vous ne pouvez pas inscrire une œuvre dans les deux. D'accord. Mais si vous avez une série documentaire ou un documentaire, c'est plus même intéressant pour vous d'être à la SCAM. Okay. Pour les aides, pour le conseil juridique, pour Guillaume et Chérine. Voilà. Mais donc je ne peux adhérer à la SCAM que si je fais du documentaire. Il faut avoir une œuvre, en tout cas. C'est ça. Ok, merci. Mais comme je dis, c'est une œuvre qui suffit juste d'être diffusée. Si elle est en autoproduction, je pense qu'à la SCAM, vous pouvez adhérer également, sans problème. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Oui, bonjour. J'élargis un peu une question que j'ai posée tout à l'heure aux personnes de l'ESCAM. Et ça, c'est précis un peu à partir de ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure. En fait, nous, on accompagne des auteurs qui travaillent sur des sujets juridiques, qui sont des intellectuels, même des magistrats, des gens comme ça. Et en fait, j'ai du mal à, dans ce rôle-là de directeur de production, j'ai du mal à me placer dans les mêmes perspectives que des entreprises, par exemple, je ne sais pas, qui vont produire avec une perspective
de produire de l'argent ensuite, vendre les catalogues, je ne sais rien. Nous, on est vraiment dans une perspective de faciliter, possibiliter à ce auteur-là de créer quelque chose. Est-ce que vous savez déjà, ma question est celle-là, est-ce que vous savez ce type de cas où vous travaillez avec des institutions directement pour les accompagner, pour servir un petit peu intermédiaire, pour aider ces auteurs-là à produire et à pouvoir créer leur œuvre? Alors, en fait, il y a certaines structures, type Nouvelles Écoutes, Binge Audio et tout, qui font ça également. Alors, en audiovisuel, ce serait une sorte de coproducteur. Mais là, ce que vous faites, c'est juste, en fait, ils ont déjà le projet de podcast, si je comprends bien, mais vous voulez les accompagner pour réaliser. Mais c'est ça, on a plusieurs cas de figure. Par exemple, on en a un projet qui est une série, une fiction sur l'Assemblée nationale, par exemple, et c'est autour de la production de la loi. C'est-à-dire comment on produit la loi, ben, du coup, c'est un auteur qui a écrit une fiction et qui, du coup, voilà. Donc, pour l'aider, pour développer son projet, par exemple, on a mis tout en place pour pouvoir faire un pilote. Mais encore une fois, on n'est pas dans une perspective de, voilà, on va... Non, parce que l'objet de notre association, c'est de vulgariser les droits, de donner accès aux droits, que les gens puissent comprendre les droits d'une autre façon, etc., et nourrir les discussions autour des droits. Voilà, ça, c'est notre objet, l'objet principal. Et les médias par lesquels on a choisi, c'est la création des podcasts. Donc, on produit des podcasts, on a un plateau, on a beaucoup de podcasts plateaux, etc., mais du coup, on explore d'autres possibilités. Il y a par exemple cette situation-là avec cet auteur-là, où même à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on pouvait les porter préjudice parce que le fait que nous, on est derrière lui. S'il se présente comme ça à des certains, bah, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'ESCAM, l'ESCAM, bourses, s'ils sont déjà un producteur, bah, ça exclut la possibilité de participer. Bon, pareil pour ce projet-là. Et on a d'autres auteurs qui viennent vers nous, qui nous disent on aimerait faire ça, est-ce que vous pouvez nous aider, etc. Et du coup, on essaie de les accompagner. Et donc, voilà, il a une multiplicité de possibilités. Est-ce qu'il y a des mécanismes ou est-ce que vous avez déjà des expériences d'avoir travaillé avec des institutions pour aider les auteurs pour pouvoir produire leur contenu? Alors, il y a des... Je pense à quelque chose qui est légèrement différent, mais dans le principe, ils font un peu la même chose, mais ils n'ont pas forcément des aides... On va dire que c'est des aides satellites, c'est pour les aider à comment structurer ou qui démarcher, par exemple. Et pour les vidéastes, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle la guilde des vidéastes, où les vidéastes, donc c'est des gens qui font de la vidéo généralement sur YouTube, et qui vont les appeler et qui vont dire, ben, moi j'habite en Aquitaine et tout, et j'ai tel projet, mais j'ai pas assez d'argent, est-ce que vous pouvez m'aider? Et ils vont l'aider à dire, ah, mais tu sais qu'il y a telle bourse, il y a ça, mais il faut se structurer comme ci, comme ça. Donc, ça ressemblerait un peu à ce que vous faites, sauf que vous êtes sur un domaine particulier, sur le droit, en fait. Ah, en fait, c'est que vous faites les deux choses. Vous êtes à la fois producteur, d'un côté, et de l'autre côté, un peu facilitateur, comme la guilde des vidéastes, qui va juste les aider à mener à bien leur projet, ou juste avoir les connaissances, ou juste les mettre en lien avec les personnes qui vont les... Je sais pas, je suppose que l'auteur qui écrit la fiction sur l'Assemblée nationale, vous l'avez aidé à avoir des rendez-vous avec des gens pour qu'il mûrisse son projet, pour qu'il ait des gens qui y travaillent, par exemple, pour qu'il mûrisse sa fiction. Donc en fait, c'est que vous faites littéralement les deux. Donc vous avez vraiment une partie producteur, et l'autre partie, je pense à la guilde des vidéastes parce que c'est l'exemple que j'ai en tête comme ça, mais eux, ils font vraiment ça, à la fois de l'accompagnement juridique, de l'accompagnement sur les bourses qui sont possibles. Je sais que moi, j'ai déjà fait des vidéos avec eux sur comment déclarer les œuvres à la SACD. Donc, on a fait, à l'époque, c'était pendant le confinement. Donc, c'est la guilde qui a organisé ça, qui est toujours sur YouTube. Donc, eux, ils font des choses comme ça. Mais vous, en fait, vous avez les deux casquettes. Est-ce qu'il reste 28, 27, 26 secondes? Est-ce qu'il y a une dernière question? Là-bas, au fond.
On va essayer d'y répondre vite. Bonjour, moi je voulais savoir pourquoi c'est écrit compositeur dramatique, ça veut dire quoi ? Parce que, en fait, la SACD, c'est une très vieille maison qui date de 1777. Elle était créée pour le théâtre, parce que les auteurs de théâtre ne percevaient pas de droits quand ils étaient joués à la Comédie française. Et après, ensuite, il y a eu l'opéra aussi. Donc, l'opéra, en fait, fait partie du répertoire de la SACD. Donc, c'est devenu du spectacle vivant. Donc, en 1777, il n'y avait pas de télé ni de cinéma. Donc, il y a eu d'abord le théâtre, l'opéra, et ensuite, il y a eu le cinéma, la télévision, YouTube, le podcast, la VR, et je ne sais pas quoi, des lentilles bientôt. Mais c'est pour ça qu'en fait, ça s'appelle la SACD, compositeur dramatique, parce qu'il y a aussi les auteurs d'opéra. Donc, et du cirque également, par exemple. Mais du coup, la musique, elle appartient quand même à la SACEM, ou en termes de droits, de gestion de droits? Oui, ou... sauf quand elle est accessoire à un spectacle vivant. Par exemple, si vous faites de la musique pour un spectacle de danse, vous pouvez être à la SACD. Si vous faites tout bonnement de la musique de film, c'est à la SACEM, ou de la musique tout court. C'est lié au spectacle vivant, les compositeurs. Voilà. Donc, en fait, moi, ma question, je suis auteur-compositeur, j'écris, je fais des podcasts, donc il y en a qui relèvent de la fiction, d'autres qui relèvent du documentaire, et donc, en fait, je ne sais pas toujours très bien où déclarer mes pièces, donc je déclare à la SACEM, mais en tant qu'auteur, c'est plus des textes plutôt musicaux, mais du coup, si ce qui relève de la parole relève du documentaire, ça va être à la SCAM, mais comment est pris en compte la musique? Et si c'est de la fiction, ça va être à la SACD, comment est pris en compte la musique? Enfin, c'était ça ma question. On va en discuter là, parce que là, j'ai dépassé d'une minute trente et les gens ont faim. Mais littéralement, chaque œuvre peut aller dans une société différente. Techniquement, vous pouvez être dans les trois, en fonction de l'œuvre. À la base, c'est ça. Donc en fonction de l'œuvre, vous pouvez déclarer à la SACEM, à la SACD ou à la SCAM. Et je viens vous voir tout de suite pour discuter plus amplement. Merci de m'avoir écouté et bon appétit.